native de Rossignol et je n'ai plus d'âge. Je suis née le 17 octobre 1877 à Strasbourg. Ma mère est morte le lendemain de ma naissance. Mon père, humble charpentier de la rue Gâteau, m'éleva donc seul, mais avec beaucoup d'amour. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit, et on peut dire que j'ai eu une enfance heureuse. J'étais habile en marqueterie et passionnée par les tables de chevet. Mon père m'avait réservé une petite place dans son atelier. Mais arriva le tragique soir de mes 20 ans. J'avais reçu la permission de sortir en ville avec ma fidèle amie, Clémence Danton. Nous avions soigné notre toilette. Pomponnée, maquillée, parfumée, j'étais ravissante, je crois. Nous marchions en ville côte à côte. C'était un soir de fête avec beaucoup d'agitation. Il y a de beaux garçons, je lance de petits regards, je veux des frissons et danser jusqu'à tard. Je perds Clémence de vue. Un jeune homme me prend par la main et m'entraîne dans le bal. C'est la meilleure amie de Mathilde Rossignol, jusqu'à ce qu'elle nous quitte. 17 octobre 1897, morte d'épuisement. On retrouva son corps au milieu du bal, piétiné par des danseurs trop joyeux. Je m'en veux un peu pour cette histoire, c'est en partie ma faute. J'ai récemment reçu une lettre de sa part. J'aimerais vous la lire, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Chère Clémence, je n'ai pas beaucoup de temps alors je vais tâcher d'être brève. J'ai appris ma mort il y a peu. Triste affaire. De mon côté, je ne sais pas vraiment depuis combien de temps cette fête dure, mais elle n'est pas prête de prendre fin. Tout le monde est très excité. J'ai rencontré un charmant fantôme prénommé Gustave. Il est assez bon danseur. Malgré son problème d'haleine récurrent, j'aime beaucoup l'embrasser. Le fait qu'il n'ait pas de dents rend la chose très agréable et sensuelle. Je voudrais tant t'avoir à mes côtés. Je pense bien fort à toi, je dois retourner danser. Embrasse papa, Mathilde Rossignol. Postscriptum, les morts sont gentils.